Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat du test de mon premier mix média steampunk. Donc je vous rappelle que vous avez les tutos si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est sec, mais j'ai l'impression que c'est pas à 100% sec. Voilà, mais maintenant, je sais pas avoir. Voilà, quand je fais ça, il n'y a plus rien, mais. Je pense qu'un ou deux jours encore à l'air, ça ira. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, moi, j'avoue que je suis assez contente du résultat. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, peut-être qu'un jour, je l'éclaircirai un peu. Je ne sais pas trop. Pour le moment, moi, ça me va comme ça. Parce que vous pouvez l'éclaircir aussi en frottant légèrement avec un peu de gesso sur un pinceau sec. Donc voilà, moi le résultat me convient. Puis sur le couvercle, je suis désolée, c'est la fin de la journée. Sur le couvercle, voilà ce que ça donne. Franchement, là peut-être j'éclaircirai un petit peu. Voilà. Ou peut-être mettre un peu de bleu, je sais pas. Il y a encore quelques retouches à faire, je pense. Mais je verrai ça une autre fois. Donc, du coup, finalement, moi, ça va me servir pour les pinceaux. Voilà. Parce que les pinceaux d'action sont très longs. Donc, du coup, moi, je les mettrai comme ça. Voilà. Ça ira super bien. Voilà. Par contre, du coup, comme je le pensais, je m'en doutais, la peinture ne tient pas sur le plastique, mais ça, je m'en doutais. Vous voyez, ça se craquelle. Là, si je gratte, ça se décolle. Et comme vous voyez, il y a le gesso et tout dessous. Donc, à moins d'avoir un après-esprit pour le plastique, éviter les couvercles en plastique. Mais ça, je m'en doutais un peu. Vous voyez, si je fais ça. Ça part, ça colle même pas quoi. Mais de toute façon, c'est pas grave puisque moi, hier soir, je la voyais plutôt en boîte à pinceaux. Voilà. Donc en fait, je me disais que j'avais fait le couvercle pour rien, mais bon. Et comme du coup, je l'ai fait sur un grand moulage. Celui-là. Du coup, j'aurais juste à le sortir. Voilà. Je vous le fais en direct, hein, vous voyez. Et je peux le récupérer pour autre chose. Vous voyez ce que je vous dis. Bon, c'est à prévoir. Hein. Et du coup, ça, je peux quand même le garder pour décorer autre chose et m'en servir. Donc, vous voyez, franchement, il n'y a même pas un brin de gesso qui reste. Peut-être en le ponçant avant, je ne sais pas. Donc, du coup, ça, je récupère tout ça. Voilà. Je sais pas. Si vous savez, vous dites s'il y a une solution pour que ça tienne. De toute façon, moi, c'est vrai que j'avais prévu plutôt de le faire en pinceau, pour les pinceaux. Justement par rapport à la taille des pinceaux. Donc, ben voilà. Résultat concluant. Moi, je vais continuer. Je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Aussi bien dans le steampunk. Même si je sais que ben, forcément ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît donc voilà. Et j'ai plein d'autres styles et de projets en tête dans le mix média. Donc notamment je dois décorer des boîtes en métal pour ma mère. Donc voilà, je sais pas si je les ferai en tuto parce que c'est assez long. Et je voudrais pas vous saouler quand même. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire ou par message privé. Si vous voulez une réponse, puisque je ne peux toujours pas répondre aux commentaires. Voilà, n'est-ce pas? Donc, dites-moi-le. Ben, sinon, je le ferai. Je vous montrerai juste le résultat comme ça. Voilà. Ben, écoutez, moi, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer le résultat. Et puis je vais vous dire de passer une très bonne soirée. Je vais vous faire tout plein de gros bisous.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Bye bye!